Bonjour et bienvenue dans cet entretien de la PSE autour du numéro 43 de Sociologie pratique que je peux vous montrer à l'écran. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Civello et Adam Piotrowski, qui ont tous les deux écrit un article dans ce numéro qui s'intitule De la réappropriation à distance des espaces d'échange informels. Donc bonjour et merci surtout à Jérôme et à Adam d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse tout de suite d'abord la parole pour dire deux mots de présentation vous concernant. Jérôme? Je suis sociologue du travail et des organisations, hein, donc comme on est à la PSE, je vais revenir très rapidement déjà sur mon parcours universitaire, hein, parce qu'il y a un lien avec la PSE, hein, parce que il y a un certain temps, hein, je suis venu en formation initiale, passer mon troisième cycle qui était je me souviens plus du nom, mais c'était le master en sociologie d'entreprise de Sciences Po Paris. Et à l'époque, mon master avait été encadré par Renaud Saint-Saulieu et Marc Huad, avec qui j'ai eu pendant plusieurs années une relation, on pourrait dire, de compagnonnage. Donc, j'en profite pour lui rendre hommage. Et puis, par la suite, j'ai soutenu une thèse en sociologie des organisations à l'université Paris-Dauphine, sous la direction de Norbert Alter, qui intervient et aussi beaucoup a intervenu à la formation continue à Sciences Po et dans le master en formation initiale. Alors, concernant très vite ma position professionnelle, hein, comme souvent, je dis que j'ai une position hybride. Hein, donc, je suis d'un côté sur la scène de l'organisation, hein, en tant que chercheur SHS en entreprise, et puis de l'autre, je suis aussi sur la scène académique en tant que chercheur associé à deux laboratoires, donc le laboratoire Printemps et le centre Pierre-Naville, hein, qui sont deux laboratoires qui sont rattachés au pôle universitaire de Paris-Saclay. Et puis également, j'enseigne dans différents cursus universitaires auprès d'un public d'étudiants qui sont en formation initiale, en alternance et aussi en formation continue. Et je suis également membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail, qui est une revue qui est en ligne, et membre du RT30 à l'AFS, donc le réseau thématique Sociologie de la gestion de l'Association française de sociologie. Alors donc moi Adam Piotrowski, donc je suis doctorant en sociologie du travail sous la direction de Pascal Huguetto à l'université Gustave Eiffel. Et le sujet de ma thèse, c'est donc les agencements du télétravail, c'est-à-dire que je vais m'intéresser aux configurations qui sont en train de se construire, de se mettre en place dans les entreprises, que ce soit du point de vue d'un point de vue organisationnel, donc de comment l'entreprise va devoir composer entre distanciel et présentiel, ou au niveau individuel, donc comment les individus salariés dans leur quotidien vont devoir composer également entre distanciel et présentiel. Voilà. Merci Jérôme, merci Adam pour cette entrée en matière. Alors peut-être une première question pour démarrer à propos de votre article, pour que vous nous disiez un peu la genèse de cet article, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet et comment vous vous y êtes pris en fait pour enquêter sur ce thème très, très particulier des échanges informels liés au télétravail. Alors, pour revenir à l'origine de cet article, il faut savoir qu'on n'était pas du tout parti sur le télétravail. Hein. Ce qui nous intéressait, c'était de regarder un peu les dynamiques de diversification d'espaces de travail, hein, de voir comment le travail se réalise dans des environnements de plus en plus distribués, hein, pas seulement sur son site de rattachement, mais ça peut être également à son domicile, mais aussi dans des tiers-lieux. Donc, on était parti sur cette question-là. Et est arrivée la crise sanitaire. Et on peut dire qu'on s'est saisi de la question du télétravail de manière totalement opportuniste, hein, parce que là, ça répondait à une demande sociale importante de compréhension de cette configuration complètement inédite pour les organisations. Et il faut quand même se rappeler qu'on était vraiment dans un contexte très particulier en termes de télétravail, hein, c'est-à-dire que là, on a eu de nombreux salariés qui ont basculé très rapidement
dans cette situation, et certains ont même découvert pendant la crise la pratique du télétravail. Ils n'étaient pas éligibles au télétravail avant la crise sanitaire, et ça a concerné près de 5 millions de salariés, non plus les 1 million 8 de salariés qui étaient recensés en télétravail. Et ça s'est déroulé souvent sur plusieurs semaines, sans interruption, et ça inclut des salariés de statuts différents. Donc là, on a eu, c'était particulièrement intéressant parce qu'on avait un télétravail qu'on ne connaissait pas, même si on a des anciens travaux qui datent depuis une vingtaine d'années sur cette question du télétravail. Là, on avait un télétravail qui était soudain, parce que, comme je disais, on a basculé très rapidement dans un nouveau régime d'activité. Deux, on avait un télétravail qui était massif, parce que là, ce sont des millions de télétravailleurs qui étaient concernés. Trois, c'était un télétravail aussi qui était durable, donc là, sur plusieurs semaines. Et enfin, un télétravail qui était continu, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans la configuration de certains télétravailleurs qui avaient un jour par semaine, mais là, on a eu du télétravail sur toute la semaine et également avec un caractère inclusif. Là, c'est-à-dire qu'on avait une coprésence de plusieurs membres d'une même famille qui télétravaillaient, en quelque sorte, au sein de l'espace domestique. Et donc, nous, ce qui nous a interpellés sur ces questions aussi, c'est des effets de basculement qu'on peut considérer qu'il y a eu au cours de la crise sanitaire. Alors, le premier effet qui nous semble important, c'est qu'on est passé d'une distribution des espaces de travail, la question qui nous intéressait au départ, à une situation de superposition d'espaces professionnels, d'espaces domestiques, d'espaces familiales au sein d'une même sphère. Donc là, l'activité procédait d'une même unité de lieu. Alors, le deuxième basculement aussi qui nous intéressait, c'est le passage, en fait, d'une circulation entre une pluralité de lieux à une fixation dans un espace unique. Autre basculement aussi qui nous semblait important, c'est qu'on est passé d'un travail qui était majoritairement présentiel dans un espace dédié à un travail en situation de coprésence dans un espace qui devenait beaucoup plus composite. Et enfin, autre basculement, c'est qu'on est passé de cette situation classique d'une articulation de temps sociaux souvent concurrentielle à une situation là, d'interpénétration renforcée de temps de nature différente et qui ont été interpénétration de temps de nature différente, une situation qui a été particulièrement éprouvée par les femmes. Et on voit que le télétravail en situation de confinement a été un amplificateur d'inégalités de genre qu'on connaît bien. Alors, concernant effectivement comment faire enquête dans ce contexte-là, hein, même si on ne peut pas dire qu'on ait engagé une réflexion méthodologique à proprement parler, mais on voit que cette configuration a placé les salariés dans des situations totalement inhabituelles, mais elle a également placé les sociologues aussi dans des conditions d'enquête inhabituelles. C'est-à-dire qu'on voit bien que le contexte sanitaire a obligé d'être à distance de nos enquêtés sans faire distance avec ces enquêtés. Il a fallu également être au plus près du vécu subjectif de ces salariés, tout en n'ayant pas la possibilité de construire ce rapport d'intersubjectivité très classique et très lié à l'enquête en face à face. Parce que là, on devait faire avec cette distance qui, en plus, distance qui pouvait se trouver ajoutée par le fait que nos enquêtés ne souhaitaient pas toujours utiliser la webcam. Donc, cette distance a pu poser problème parce qu'elle ne permettait pas d'identifier, de percevoir des dimensions non-verbales de la communication et aussi pouvait rendre plus difficile cette opération de dévoilement hein, du rapport au travail et à l'organisation. Alors, ça a impliqué, pour essayer d'être au plus près de nos enquêtés, hein, c'est préalablement d'avoir systématiquement un temps avant l'entretien pour qu'ils puissent percevoir à quoi ressemblait un entretien sociologique, de pouvoir les aider à anticiper sur les conditions de réalisation de l'enquête et surtout de pouvoir commencer à constituer un lien de proximité avec eux qui serait sur lequel on pourrait s'appuyer dans le reste de l'entretien. Et on voit bien aussi que la spécificité de ce contexte hein, demande dans le travail d'interprétation hein, de savoir différencier d'un côté
les effets sociologiques qui sont imputables à la crise sanitaire, et de l'autre côté, les dynamiques spatio-temporelles qui sont propres au télétravail. Donc, voilà un petit peu de ces quelques éléments. Hein, et comme je vous le disais, on n'a pas véritablement engagé de réflexion méthodologique hein, qui le mériterait au regard de la nature du contexte. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette entrée en matière. Alors, dans la première partie de votre article, vous posez la question de l'informel comme étant finalement le noyau central du collectif, du travail en entreprise. Et en quoi cet informel est-il vraiment si important dans le travail? Jérôme, tu voulais peut-être y répondre à celle-là? Oui, si tu veux, sur la place, effectivement, sur la place de l'informel. Alors, cette place des échanges informels, elle est importante, mais on ne s'en rend pas compte au quotidien. C'est un peu comme la question de l'identité, hein, qui, tant qu'elle ne pose pas question, on ne se questionne pas dessus. Et là, ces échanges informels, hein, je pense qu'ils sont importants à plusieurs titres. C'est-à-dire que ces échanges informels, ils portent déjà un enjeu professionnel, parce que dans ces échanges informels, c'est des lieux où circulent, s'échangent, s'actualisent des savoirs. Donc là, quand on a des collectifs qui sont relativement stables, avec le temps, ces échanges informels participent aussi de la production d'une compétence collective. Donc c'est des moments importants parce qu'on échange de l'information, des conseils, des coups de main. Et souvent, ces échanges informels hein, se déroulent dans ce qu'on appelle des espaces-temps interstitiels, hein, donc dans des moments qui ne sont pas véritablement des moments de travail, mais qui sont sur les lieux de travail, dans des lieux où on a montré que, effectivement, ces échanges informels ont besoin de se dérouler dans des lieux familiers, relativement stabilisés et connus par les personnes. Donc ça c'est un point important, hein, qu'il y a un lien entre échange informel et ancrage spatial, et ça peut se dérouler classiquement, on pense à la machine à la café, hein, mais ça va se dérouler dans le couloir, on croise par hasard un collègue et va s'engager une discussion, ou c'est les queues de réunions où les gens vont continuer à discuter, à aborder d'autres sujets au terme de la réunion. Ou alors on va se croiser à la photocopieuse, comme moi j'appelle ça un peu, c'est le puits du village où tout le monde se retrouve un peu. Donc là, on va engager une discussion sur des registres très différents ou le collègue qu'on va attraper à l'entrée ou à la sortie de son site. Alors ces échanges sont importants parce qu'ils portent, comme je disais, plusieurs enjeux. Donc je disais un enjeu professionnel, un enjeu aussi symbolique, hein, parce que dans ces échanges, on va être amené à parler sur sa pratique professionnelle. Donc, ça permet à chacun de se situer et aussi de trouver une place dans une hiérarchie symbolique. Alors aussi, c'est un enjeu, ces échanges informels portent un enjeu culturel, hein, parce que ces échanges informels, ces moments-là, sont des lieux où se jouent des rituels de sociabilité dans lesquels vont circuler des normes, des valeurs, et qui vont, avec le temps, participer aussi à renforcer un sentiment d'appartenance vis-à-vis de ce groupe-là. Alors aussi, on n'y pense pas forcément, mais aussi dans ces échanges interpersonnels, il y a un enjeu psycho-affectif, parce que ce sont aussi des moments de convivialité où vont se mélanger des registres de nature différentes, que ce soit du privé, du professionnel. Donc on va commencer par l'angine du petit-dernier ou de son conjoint qui a le Covid, et puis progressivement, on va arriver sur le dossier du moment ou sur un aspect du travail qui fait question. Donc, on voit bien que la valorisation de la convivialité dans ces échanges interpersonnels, hein, tiens, que ça permet d'ouvrir des espaces où, effectivement, on partage de l'affectivité, de la proximité, mais aussi ce sont des lieux où circulent des savoirs, des savoir-faire. Donc, on voit très bien que cette convivialité qui est présente dans ces échanges interpersonnels, elle facilite la réalisation
du travail parce qu'on a accès à un certain nombre de connaissances et de savoir-faire. Et c'est très important, cette convivialité dans ces échanges interpersonnels, parce que le fait de bien s'entendre avec ses collègues, eh bien, ça fait qu'on ne va pas hésiter à aller voir son collègue, on ne va pas avoir la crainte d'être mal reçu ou envoyé, pour le dire de manière familière, sur les roses par son collègue, mais on sait qu'on a l'assurance d'une réponse ou du moins d'une attention portée à la question qui va être posée. Et cette assurance d'un soutien, c'est très important parce que ça contribue aussi à réduire la charge anxiogène qui est liée à la confrontation à l'incertitude qui est grandissante dans les organisations avec une accélération d'échanges. Et enfin, on peut dire que ces échanges interpersonnels sont importants parce qu'ils portent un enjeu à la fois identitaire et stratégique, hein, parce que dans le cadre de ces échanges interpersonnels, on va être amené à élaborer des règles informelles, à produire des solutions d'organisation, et c'est ça aussi qui va permettre aux individus d'avoir le sentiment d'appartenir à un collectif, de faire collectif, et de pouvoir se faire reconnaître en tant que collectif. Donc là, on voit très clairement que c'est, pour le dire de manière un peu plus globale, hein, on voit que ces échanges interpersonnels sont importants parce qu'ils participent de la production, de la formation de collectifs, mais sous condition de l'existence et de la tolérance, hein, d'espace-temps interstitiel. Et ce qui montre que ces espaces-temps qui peuvent être vus parfois de l'extérieur, de manière un peu hâtive, comme des temps inutiles, voire des temps volés à l'organisation, on voit très clairement que ces temps morts de l'activité s'avèrent le plus souvent des temps extrêmement productifs, hein, parce que à travers ces moments-là, les salariés trouvent les moyens de rendre possible l'activité, de la rendre supportable et de donner collectivement un sens à l'activité. Et pour en finir sur ces échanges interpersonnels, souvent, on voit, on a vu dans la littérature, mais même nous-mêmes, on a contribué à dire que la crise sanitaire, par le fait d'organiser un travail à distance, hein, a rendu plus difficile l'établissement de ces échanges interpersonnels. Mais il faut voir que ce n'est pas seulement le travail à distance ou maintenant le mode hybride qui rendrait plus difficile ces échanges interpersonnels, c'est qu'il y a aussi toute une série de modes d'organisation qui peuvent venir percuter, entraver, rendre difficile l'établissement de ces échanges interpersonnels. Quand vous avez une recomposition fréquente des collectifs de travail du fait d'une accélération des changements, quand vous avez aussi des démarches d'individualisation et de mise en concurrence des salariés, ça n'incite pas à donner à voir de sa pratique. Ou encore, quand vous avez une pression du court-termisme, une rentabilisation des temps productifs, les individus vont dire « Moi, je n'ai plus le temps pour investir ces moments-là. Je suis tellement sous pression que ben voilà, hein, je passe vite devant la machine à café, je prends mon café et je ne reste pas à discuter avec mes collègues. » Merci. Alors, on voit bien effectivement toute l'importance de cet informel dans le travail, dans toutes ses dimensions. Mais alors, en particulier sur l'aspect affectif des relations de travail, des relations de collègues, de partage, qui soient à la fois professionnels ou personnels, hein, les choses sont un peu entremêlées. Est-ce que vraiment cette dimension affective, elle est totalement impossible, totalement incompatible avec le télétravail, ou est-ce qu'il y a quand même des possibilités de relier un peu les deux, de les articuler? Est-ce que vous avez repéré des bonnes pratiques, des solutions un peu particulières, un peu astucieuses qui offrent des perspectives? Ah non? Oui, alors c'est la question centrale de notre article finalement qui s'est imposée à nous au cours de l'enquête, parce que donc c'est le manque de relations informelles à distance qui a révélé l'importance des échanges informels que vient de développer Jérôme aux yeux des salariés. Et donc le point de départ de ce questionnement, c'est que donc les rencontres à la machine à café, les déjeuners entre collègues, les conversations dans les couloirs, entre deux réunions, tout ce que Jérôme vient d'illustrer, ces moments, ces espaces-temps qui donnent à avoir des relations informelles au sens où il s'agit donc de relations non prescrites, non prévues par la structure organisationnelle. C'est comme ça notamment que Mintzberg ou même Crozier et Friedberg, plus proche de nous en sociologie, définissaient les relations informelles dans les organisations.
et ben ces moments faisaient tellement partie intégrante du quotidien des salariés dans le cadre du travail présentiel avant la crise sanitaire, que ce n'était pas des moments particulièrement valorisés, ni même perçus comme essentiels à l'activité pour les acteurs. Et donc, en mars 2020, le premier confinement arrive, et très tôt, c'est ce manque de relations informelles qui va revenir sur toutes les lèvres, parce que tout simplement, les salariés se rendent compte de combien leurs échanges avec leurs collègues au quotidien pouvaient leur apporter d'un point de vue relationnel et même affectif, on vient de le dire, ce qui a beaucoup à voir avec la qualité de vie au travail. Mais dans le même temps, ils se sont rendus compte de combien ces conversations pouvaient cadrer leur travail, comme l'a bien dit Jérôme avant moi. C'est-à-dire que donc, d'un point de vue productif, quelque part, c'est bien ce cadre informel en présentiel qui permet de demander facilement une aide, d'être conseillé par un collègue, etc. Et donc, finalement, on a réalisé combien, d'une part, la convivialité au travail et d'autre part, le partage de connaissances est en fait complètement intégré au cadre présentiel de l'entreprise, aux espaces de l'entreprise, dans ses murs. Et en fait, finalement, c'est pas qu'on ignorait avant la crise sanitaire le caractère situé spatialement de ces échanges informels, c'est simplement que la question ne se posait pas. Le présentiel était encore la norme, le télétravail n'était pratiqué que par 9% des salariés en France, et bien sûr jamais dans des proportions comme au cours de la crise sanitaire. Et donc, en expérimentant un télétravail durable et massif, comme le disait Jérôme, les salariés ont réalisé qu'à distance, les échanges avec leurs collègues, avec leurs managers, ne se limitaient qu'aux échanges les plus formels en très grande majorité. Donc, que ce soit à travers les réunions, par le biais d'outils de visioconférence, que ce soit les sessions de brainstorming par le biais d'autres outils, les échanges de mails pour se tenir informé de l'avancée de projet, par exemple. Et donc, on a pu voir un large mouvement de ce qu'on pourrait appeler une formalisation des échanges au sein des entreprises, en tout cas au sein de celles qu'on a étudiées. C'est-à-dire que ce sont d'une part les sujets les plus professionnels qui tendaient à devenir les seuls sujets de conversation au cours des échanges, et d'autre part, la manière de s'exprimer entre collaborateurs, entre collègues, tendait elle aussi à devenir plus formelle et plus concise. Et alors, si on se demande quelles sont les raisons de cette baisse des échanges informels à distance, il y a plusieurs choses qui ressortent du discours des salariés interrogés. Déjà, on voit que le fait de planifier un échange avec un ou des collègues, ça pousse à cadrer la discussion autour de sujets plus concrets. On ne prévoit pas un rendez-vous sur Skype ou sur Teams ou sur Zoom pour parler du dernier film qu'on a vu, pour demander comment ça va, etc. Et en fait, donc, cette planification des échanges, par essence, elle est presque condamnée à déboucher sur des interactions formelles. Puisque, du coup, l'informel, dans le discours des salariés, hein, je pars de leur discours, se trouverait au contraire dans les rencontres improvisées, imprévues. Donc, les interactions informelles, là, au sens où on les désigne, c'est avant tout de la spontanéité. Et donc, à distance, la spontanéité, elle a beaucoup de mal à être cultivée par les salariés. Il y en a qui essayent, mais c'est très compliqué. Et donc, un autre élément qui expliquerait cette raison de la baisse des échanges informels, c'est qu'en plus, on voit que les outils utilisés pour les échanges à distance, donc dans notre cas, c'était le logiciel Teams, et ben ces outils semblent avoir pour effet de renforcer le caractère formel des échanges, c'est-à-dire qu'ils n'incitent pas aux discussions informelles. Ça a pu se trouver renforcé par le fait qu'au sein de l'entreprise étudiée, comme l'a dit Jérôme, beaucoup de réunions entre collègues au moment de l'enquête se faisaient sans l'utilisation de la webcam. Et il se trouve que la communication non verbale, elle est centrale, en particulier dans les échanges informels, hein, que ce soit les sourires, les acquiescements, etc. Et donc, tous ces éléments qui sont issus de l'expérience des salariés interrogés pousseraient finalement à percevoir les interactions informelles comme consubstantiellement rattachées au présentiel, au partage collectif d'un même espace physique. Et évidemment, c'est une conclusion qu'il faut nuancer, on le fera sûrement par la suite, mais c'est ce qui ressort en fait majoritairement des discours des enquêtés. C'est pour ça qu'on l'a restitué dans l'article et qu'on le restitue ici. Et à ce propos, on voit d'ailleurs que les périodes de retour en présentiel, donc à partir de fin 2020 et 2021, ça a été l'occasion pour les salariés de revenir en présentiel dans les locaux de l'entreprise, justement dans ce but
explicitement affichée de retrouver les collègues pour pouvoir discuter, retrouver le lien social qui avait tant manqué au collectif au cours de la crise sanitaire. Et donc, je dirais même en premier lieu, c'est-à-dire que les travailleurs revenaient davantage pour les discussions informelles autour de la machine à café que pour travailler à proprement parler, ce qui s'explique aussi par le fait qu'avec l'expérience du télétravail, on a vraiment assisté à une séparation entre, d'un côté, les activités télétravaillables, que les cadres qu'on a pu interroger, rencontrer, estiment plus aisément réalisables à distance, donc en particulier les tâches les plus solitaires, entre guillemets, et d'un autre côté, les activités les plus sociales, qui sont finalement de plus en plus perçues comme des activités plus aisément réalisables, praticables en présentiel. Cette distinction, pardon, elle nous renvoie justement à ce qu'on appelle le travail hybride, le mode hybride, parce que les entreprises se retrouvent confrontées à l'inscription du télétravail globalement depuis 2021 comme une nouvelle norme organisationnelle. Donc, elle l'acte notamment par des accords collectifs qui sont maintenant signés dans la plupart des grandes entreprises. Et la répartition entre le présentiel et le distanciel va devoir trouver une nouvelle pérennité qui convienne à la fois aux salariés et au management. Et donc, ce qu'on commence à voir avec le mode hybride, c'est justement que quelque part, le prolongement de ce que je viens de développer, c'est-à-dire une activité présentielle qui devient de plus que jamais collective, qui devient vraiment collective par essence. Et donc, l'informel reste profondément ancré dans les espaces physiques partagés des entreprises. Et de l'autre côté, les activités les plus individuelles, elles ont eu le temps de se routiniser en télétravail. Les télétravailleurs ont eu le temps de se façonner de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes de travail plus individuelles, plus personnelles, quelque part. Et on voit que cette bipartition de l'activité, c'est une nouvelle réalité avec laquelle les entreprises vont devoir composer, ce qui ne va pas forcément être facile, parce qu'elle remet en cause certains fondements du management, un management qui s'est construit selon les règles du présentiel, finalement. La question ne se posait pas. Et donc le suivi de l'activité des salariés, notamment, on va devoir s'adapter au mode hybride. Voilà, je conclue ici pour cette question pour pas faire trop long. Oui, merci beaucoup Adam. Jérôme, des compléments ou des ajouts sur cette question du lien entre affectif et travail à distance, vous en pensez quoi? Moi, je rajouterais juste. C'est sur ce rebondir sur ce mode hybride hein, qui permet effectivement de recréer des espaces informels qu'on avait perdus pendant la crise sanitaire. Hein. D'autant plus qu'on voit que les organisations cherchent à compenser la distance hein, en prévoyant des temps de présence communs. Donc on voit dans toutes les organisations, quand elles ont mis en place un télétravail un peu plus important dans le cadre de nouveaux accords, qu'il y avoir un jour de la semaine qui va être le lundi, le mardi ou le vendredi, où là, il est donné consigne à ce que chacun vienne sur la place du village. C'est jour de marché, donc on voit ça. Donc j'ai plus l'impression qu'il se pose plutôt des questions avec comment on fait lien avec les autres équipes. Et ça se déroule de manière concomitante avec souvent la diffusion du flex-office, donc ce principe d'aménagement qui prévoit qu'il n'y a plus de place attitrée et qui renvoie en quelque sorte à cet imaginaire des espaces de coworking abritant des entrepreneurs et avec l'idée pour les organisations que de tels espaces de flex-office imprégnés de cet imaginaire des espaces de coworking vont permettre des rencontres incidentes, des collaborations fortuites, que ça va permettre aux collaborateurs d'élargir leur réseau professionnel et que tout ça susciterait la créativité, soutiendrait des dynamiques d'innovation. Or, il semble que ce mode hybride hein, conduise à privilégier fortement le temps en présentiel pour resserrer les liens, pour assurer, maintenir une cohésion, hein, aussi bien du point de vue des managers de proximité que des salariés, comme le disait Adam, et moins à travailler sur le lien avec les autres équipes. Donc là, ça va venir quand même poser problème.
Et dans le même temps, ça remet en cause cet esprit entrepreneurial assigné aux espaces de travail ouverts, parce qu'on voit bien qu'il y a un effet de resserrement, de repli des équipes sur elles-mêmes, et ça pose aussi après toute une série de problèmes assez pratiques, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des effets aussi de polarisation dans l'occupation des espaces de travail, hein. On a des jours où il y a un phénomène de vraiment de suroccupation des lieux, de densification des espaces, et des lieux où des effets de désertification des espaces, donc là qui vont poser de nouvelles questions aux entreprises, hein, surtout lorsque le taux de foisonnement arrive parfois à des niveaux de 0,5, où là ça va vraiment poser des questions à la fois d'organisation et d'entretien du lien, et comment de faire collectif avec des collectifs qui sont de moins en moins présents sur les lieux de travail. Bon, merci à tous les deux d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet-là, qui est finalement assez peu traité, j'ai l'impression, dans le télétravail. Il y a beaucoup de littérature, mais la question de cet informel, la question de cette dimension affective du travail, il y a encore peu de choses qui ont été explorées sur ce thème. Peut-être à tous les deux, pour terminer, une question de conclusion et d'ouverture sur les enseignements, les perspectives que vous voyez à votre travail sur cette thématique précise ou un autre aspect du télétravail que vous aimeriez faire partager à notre public. Il me semble, alors je ne sais pas si tu voulais, Adam. Non, vas-y. Donc, je pense qu'il est important de tirer un certain nombre d'enseignements parce que cette crise sanitaire, hein, par son caractère exceptionnel, on peut dire deux choses qui paraissent peut-être un peu opposées, hein. On peut dire que cette situation a activé un certain nombre de dynamiques sociales qui vont avoir des effets sur la durée, et à la fois, il ne faut pas être trop prisonnier de cet événement-là, dont l'exceptionnalité ferait écran, à des phénomènes plus durables. Parce que on voit très clairement que ce qui s'est joué pendant cette crise sanitaire, on peut penser que ça fait remonter à la surface des choses qui étaient déjà là, qui couvaient, ou des personnes qui, d'une certaine manière, n'osaient pas aller au-delà de leur projet. Donc on voit bien que la crise sanitaire a eu peut-être plus un effet d'accélérateur, d'amplificateur qu'un effet de basculement ou de création ex nihilo. Donc je pense qu'il faut prendre en compte sur le temps long ce qui nous apparaît aujourd'hui et ce qui va apparaître plus tard. Donc, je pense qu'on peut retirer trois grands points sur des effets en partie produits par cette expérience d'une crise sanitaire plaçant des millions de salariés dans un télétravail en quelque sorte forcé. Alors, premier enseignement, il me semble que la crise sanitaire a été une expérience inédite et à grande échelle qui a ouvert sur un vaste apprentissage collectif, hein, on l'a vu, hein, même les organisations se sont déplacées, hein, dans la vision qu'elles pouvaient porter sur le télétravail, hein, ce qui n'était pas joué d'avance, hein, parce qu'on voit qu'il y avait quand même un regard parfois dépréciatif ou du moins suspicieux sur la pratique du télétravail. Et les organisations ont vu que déjà les systèmes d'information tenaient, que la productivité n'était pas dégradée et au contraire, souvent, la productivité était plus importante. Alors, cette crise sanitaire, je parlais d'apprentissage, je pense qu'elle a amené les organisations face à situations brutales à repenser une partie de leurs activités, à se pencher un peu plus étroitement sur les conditions de réalisation de l'activité. Et on pourrait parler d'une sorte de retour du travail, du retour de l'organisation. Et dans le même temps, l'encadrement lui-même a été amené à recentrer son activité managériale un peu plus sur peut-être sur le contenu de l'activité, sur les conditions d'exercice. Et on peut penser que ce renforcement du travail à distance, hein, a conduit et conduira les managers à se replacer un peu plus peut-être sur la scène du travail.
à remettre au centre des discussions avec leurs équipes un peu plus le travail, ses conditions réelles d'activité. Et ce management du télétravail pourrait redonner une place plus importante au management du travail à faire. Et pas seulement à ce management qu'on connaît assez bien, hein, qui prend une place vraiment de plus en plus importante depuis une trentaine d'années, d'un management, en gros, par le pilotage des activités via des indicateurs et des objectifs. Et donc ça va poser aussi derrière toute une série de questions à ces managers qui vont être dans un management à distance, hein. Donc certes, on entend beaucoup, il va falloir les appuyer de la formation, mais ça pose ce qu'on disait au départ, peut-être de reconfigurer les espaces, de trouver des technologies qui permettent ce travail à distance, des possibilités d'échange entre pairs, une autonomie effective de la part des managers, hein, pour les aider justement dans cette activité de management à distance. Alors le deuxième, il semble, enseignement qu'on peut tirer, c'est que cette crise n'a pas été seulement un moment d'apprentissage, c'était aussi un moment réflexif, hein, parce qu'on voit bien que les salariés ont été amenés à se réinterroger sur leur rapport au travail, sur les conditions de son déroulement, et plus largement sur leurs conditions de vie. Donc on voit bien que la réflexivité qui a été apportée par ces moments successifs de confinement a amené les salariés à se réinterroger sur leur rapport au travail, les amenant à remettre en perspective le sens qu'ils accordaient à leur métier, à faire un point aussi sur leur carrière, sur leurs aspirations professionnelles, et à interroger l'adéquation qu'ils pouvaient ressentir entre leur activité et le mode de vie qu'ils souhaitaient valoriser. Donc là, on peut dire que la crise sanitaire est venue réinterroger, reposer la question du sens au travail dans une triple perspective. Première perspective, c'est la place et la valeur qu'on accorde au travail. Deuxième perspective, c'est le type de sens recherché au travail, autrement dit, qu'est-ce qu'on attend de son travail. Et enfin, troisième perspective, c'est le type d'équilibre attendu entre différentes sphères d'investissement. Quel équilibre je souhaite construire entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Alors le troisième enseignement qu'on pourrait retirer, et là qui montre bien l'effet expérientiel du télétravail, on voit bien que toute cette autonomie, en quelque sorte, qui a été conquise par les salariés qui retrouvaient une forme de nouvelle maîtrise de leur temps et de leur espace de travail, montre que l'enjeu fondamental des relations de travail se trouve dans la maîtrise du processus de création de règles. Donc on n'est plus simplement dans cette analyse classique, une analyse du jeu autour de la règle, mais d'une analyse du jeu autour de la création de règles effectives. Parce qu'on le voit bien, avec la négociation, la stabilisation de nouvelles règles du jeu autour du télétravail, hein, via des accords, mais pas seulement, que cette question des règles du jeu autour du télétravail vont jouer dans les mois à venir une sorte de rôle de principe organisateur des rapports de travail. Et derrière tout ça, l'entreprise va se trouver dans une situation là nouvelle parce qu'elle ne va plus seulement être dans l'obligation, ce qu'elle faisait de manière assez classique, hein, de combiner entre d'un côté les règles informelles élaborées par les collectifs et pour les collectifs, et de l'autre côté, les règles formelles élaborées a priori par les organisations. Elles vont devoir là aussi composer avec ce qu'on pourrait appeler des règles personnelles d'organisation. Donc on voit bien que le télétravail a révélé l'existence d'autres sources de production de règles, des règles produites par un processus d'individualisation, des règles aussi élaborées et négociées avec le conjoint, avec la famille. Donc les organisations ici vont devoir composer avec un phénomène connu, des phénomènes connus mais qui se sont sûrement renforcés avec la crise sanitaire, c'est-à-dire des phénomènes d'individualisation et de subjectivation. Et là, les salariés, eux aussi, vont être amenés à se reposer des questions à la fois sur le sens du travail, mais aussi sur la gestion des frontières qui nous renvoient à ces questions de déconnexion, de surconnexion. Et dans le prolongement de tout ça, pour en finir, on peut se dire que est-ce que cette ampleur grandissante du télétravail, cette mise en place du mode hybride,
est-ce que ça ne va pas conduire à redonner une centralité au management de proximité? Je dis ça parce que depuis une trentaine d'années, les entreprises ont voulu mettre en place des modes d'organisation, ou du moins se sont référés à des modes d'organisation, qui donnent une place croissante à l'autonomie des salariés, à la responsabilisation, qui donnent une place importante à l'autonomie aussi par des processus de décentralisation des processus de décision vers les équipes opérationnelles. Et là, ça a pu être extrêmement perturbant pour des hiérarchies qui ont eu l'impression qu'il y avait une moindre place et une moindre valeur accordée au management et qui ont pu se trouver perdus, déstabilisés face à ces évolutions. Et là, au contraire, on peut se dire que le management de proximité pourrait retrouver une centralité avec le mode hybride, hein, parce qu'il va être amené à devoir assurer la cohésion, l'insertion de collectifs distants, mais aussi, comme on le disait, il va devoir prendre en compte et composer avec des règles personnelles d'organisation et avec des aspirations individuelles qui, aujourd'hui, ces aspirations individuelles, se posent en quelque sorte comme des problèmes de gestion pour les RH, qui vont être peut-être amenés à revoir une partie de leur philosophie ou de leurs outils de mode de gestion dans l'accompagnement des salariés, et aussi les managers qui vont devoir composer, entendre ces aspirations individuelles. Donc, on voit bien qu'ici, que l'organisation et le management vont sûrement devoir faire face à un système social beaucoup plus complexe, beaucoup plus pluriel, parce qu'il va falloir prendre en compte une pluralité de règles, prendre en compte une pluralité d'aspirations et prendre en compte une pluralité d'ancrage. Donc là, cette longue période de crise sanitaire, en fait, a placé les entreprises dans une configuration différente, c'est-à-dire qu'on n'est plus là dans la configuration, plus seulement dans la configuration connue de la conduite du changement, hein, c'est-à-dire de répondre à cette question, c'est de comment faire différemment avec les mêmes. Là, comme le disait Saint-Saulieu, et on se retrouve là dans une configuration un peu nouvelle pour les organisations, c'est de comment faire différemment avec pas tout à fait les mêmes, du fait de ces dynamiques réflexives qui ont amené les salariés à se réinterroger sur leur rapport au travail et à l'organisation, et là, qui nous renvoie à ce que je disais au départ, qu'il y avait déjà tout un terreau qui était là et qui, avec le passage de cette crise sanitaire, a pu faire remonter à la surface un certain nombre d'attentes et d'aspirations qui sont posées sur la table. Super. Adam, pour vous, votre regard sur les enseignements de ce travail et la façon dont vous voyez la suite du télétravail? Je pense que Jérôme a bien résumé les principaux enjeux qui s'ouvrent à propos du travail de demain, entre guillemets, c'est-à-dire vis-à-vis de la place du télétravail et les interrogations que vont amener le mode hybride. Je pense que c'est assez bien résumé. Peut-être si je dois dire un mot, ce sera pour nuancer ou pour préciser vis-à-vis de nos spectateurs le caractère ferme peut-être de ce qu'on a pu développer, ce que j'ai pu développer en particulier, parce que on conclut pas forcément, je dirais, que les relations informelles seraient impossibles dans n'importe quelles conditions à partir du moment où un collectif de travail se retrouve à distance. Puisque dans tous les cas, j'en profite donc pour préciser que l'article qu'on commente ici, il est issu d'une enquête basée sur une entreprise dans un contexte précis. Donc peut-être que d'autres enquêtes dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, donneraient à voir des résultats sensiblement différents. Et ce que j'appelle de mes voeux, d'ailleurs, à lire des enquêtes qui donne des points de nuance et de comparaison avec les résultats de notre enquête. Voilà, je voulais juste préciser ça. Ouais, tout à fait utile. Et à la PSE, on est tout à fait intéressé pour continuer à suivre avec vous et avec d'autres ce sujet du télétravail. Donc, c'est sûr qu'on est loin d'avoir une vision complète et définitive, hein, évidemment.
Merci beaucoup l'un et l'autre, Jérôme et Adam, d'avoir partagé avec vous à la fois les résultats de votre travail, votre article, et puis votre vision plus largement de ce sujet. À bientôt ensemble et à bientôt avec tous les auditeurs ou spectateurs de cette vidéo lors de nos prochains événements à la PSE. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.